Hallelujah. Amen. God has been so good to us. Dieu a été si bon pour nous. Since the beginning of the year to this very moment. Depuis le début de l'année jusqu'à ce jour. We have seen his goodness. Nous avons vu ses bontés. We have seen his love. Nous avons vu son amour. And we have seen his faithfulness. Et nous avons vu sa fidélité. Now this is the 11th month. C'est la, le 11e mois. The 11th hour of the year. La 11e heure de l'année. And God has been so mindful of us. Et Dieu a pensé à nous. Somebody said things are not working. Quelqu'un peut dire les choses ne marchent pas. Your brain is working. Mais ton cerveau fonctionne. For you to even say things are not working, le fait que tu dises même que ça ne marche pas, it means things are working. Ça veut dire que ça marche. Because your brain is working to know things are not working. Parce que ton cerveau fonctionne pour que tu réalises que les choses ne marchent pas. Your organs are working. Tes organes fonctionnent. Because God is working. Parce que Dieu œuvre. We cannot thank him enough. Nous ne pouvons pas suffisamment le remercier. Lift your hands to heaven this Levez vos mains au ciel and appreciate this God. Et appréciez ce Dieu. Father, we thank you. Père, nous te remercions. Everything is working for us. Tout marche pour nous. Because you are working for us. Parce que tu œuvres pour nous. Everything is working for us. Tout marche pour nous. Because you are working for us. Parce que tu travailles en notre faveur. We can't celebrate you enough. Nous ne pouvons pas suffisamment we te célébrer. Nous pouvons juste te célébrer un peu thank plus. You, gracious Father. Merci Père, plein de grâce. Blessed be thy name. Béni soit ton nom. For what you've been doing for us. Pour ce que tu fais pour nous. Since the beginning of the year to this moment. Depuis le début de l'année jusqu'à ce we moment. Have come to say thank you. Nous sommes venus dire merci. We have come to say thank you. Nous sommes venus dire merci. Blessed be thy name. Béni soit ton nom. For in Jesus' most glorious name. We au nom glorieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Dis amen. C'est amen. This is the 11th month. C'est le 11e mois. Significantly, it is the 11th hour of the year. Et c'est la 11e heure de l'année. And this 11th month is a very unique month. Et ce 11e mois est un mois unique. Jesus told us what this 11th month symbolizes. Jésus nous a dit ce que symbolise le 11e mois. In Matthew chapter 20, verse 6, dans Matthieu 26, it says, at the 11th hour, à la 11e heure, at this hour we are in now, cette heure dans laquelle nous sommes, it says, and he went out and made people idle. Étant sorti vers la 11e heure, il trouva d'autres qui étaient sur place. Things were not working. Les choses ne marchaient pas. And he engaged them. Et il les a employés. At the end of the day, et à la fin de la journée, what they were supposed to receive, ce qu'ils étaient censés recevoir, if they have worked from January to November, pour avoir travaillé de janvier à novembre, he still gave them the same thing. Ils ont reçu la même chose quand même. That is a month of divine visitation. C'est le mois de la visitation divine. Month of favor. Le mois de la faveur. Lift your hands to heaven. Levez vos mains vers le ciel. And say, Jesus Christ, et dites Jésus-Christ, the God of 11th hour, le Dieu de la 11e heure. Visit me at this 11th hour of the year. Visite-moi à cette 11e heure de l'année. This 11th month of the year, ce 11e mois de l'année. Visit me with your favor. Visite-moi de ta faveur. Lift your voice to heaven. Élève ta voix au ciel. As you begin to ask him for visitation. Et demande à Dieu sa visitation. Jesus Christ. Jésus-Christ. You are the God of 11th hour. Tu es le Dieu de la 11e heure. Visit me in this 11th month of the year. Visite-moi en cette 11e heure de l'année. By your divine visitation. Je veux ta visitation visit divine. Visit me with your favor. Visite-moi de ta faveur. Visit me with your favor. Visite-moi de ta faveur. Visit me with your lifting. Visite-moi de ton élévation. Jesus Christ. Jésus-Christ. You are the God of 11th hour. Tu es le Dieu de la 11e heure. Visit me with your 11th hour favor. Visite-moi de ta faveur de la 11e heure. You are not done with me yet. Tu n'as pas encore fini avec moi. You are not done with me yet. Tu n'as pas encore fini avec moi. You are not through with me yet. Tu n'as pas fini avec moi. Visit me, Lord. Visite-moi, oh Dieu. Thank you, Father. Merci, Père. Blessed be thy name. Béni soit ton nom. In the name of Jesus the Christ. Au nom de Jésus le Christ. Whatever you may have lost. Peu importe ce que vous avez perdu. Since the beginning of the year. Depuis le début de l'année. This month shall be a restoration for you. Ce mois sera un mois de restauration pour vous. If you have seen any blessings the beginning of the year, si vous avez vu une bénédiction depuis le début de l'année, by divine visitation, par la visitation divine, this month shall be super blessing for you. Ce mois sera un mois de super bénédiction pour vous.
This month shall be super great for you. Ce mois sera super grand pour vous. In the name of Jesus the Christ. Au nom de Jésus le Christ. Father, we thank you. Père, nous te remercions. Sweet and lovely Holy Spirit of God. Doux Saint-Esprit de Dieu. We thank you for taking us through first service. Nous te remercions de nous avoir emmenés au premier service. We thank you for taking us through second service. Au deuxième service. This is the last service of the day. Et voici le dernier service de la journée. We trust you, Holy Spirit of God. Nous croyons en toi, Saint-Esprit de Dieu. That you have done from the beginning. Ce que tu as fait depuis le commencement shall be perfected this morning. Sera parfait maintenant. And we vow to return the glory et nous to faisons Father. Le vœu de te retourner la gloire. For in Jesus' most glorious name. Au nom glorieux de Jésus. And the amen. Nous avons prié. Amen. You are blessed. Vous êtes bénis. It's a new month. C'est un nouveau mois. On behalf of Jesus Christ. De la part de Jésus-Christ. Joyeux nouveau mois. Happy new month. Hallelujah. Amen. Before you have your seat. Avant de vous asseoir. You are seeing somebody for the very first Sunday of the first the month of November. Vous voyez quelqu'un pour la première fois dimanche tell en novembre. Tell the person joyeux nouveau mois. Dis à cette personne joyeux nouveau mois. As you have your seat, joyeux nouveau et mois. Et asseyez-vous. Joyeux nouveau mois. Happy new month. Happy new month. Happy new month. Hallelujah. Amen. It shall be a month of joy and rejoicing for you. Ce sera un mois de joie et de réjouissance pour vous. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Once again, I welcome you to this. Please have your seat. Asseyez-vous s'il vous plaît. Second Priscilla encounter service. Je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième service de rencontre Priscilla. And the topic before us this morning. Et le thème. Encounter with the peace that passes all knowledge. La rencontre avec la paix qui surpasse toute intelligence. Encounter with the peace. La rencontre avec la paix that passes all knowledge. Qui surpasse toute intelligence. Now, let me start by saying, je vais commencer par dire peace is a universal craving. La paix est un désir universel. Peace is a universal demand. La paix est une demande universelle. Everybody want peace. Tout le monde veut la paix. When you see somebody say, I don't want peace, I want trouble. Si tu vois quelqu'un qui dit, je ne veux pas la paix, je veux les problèmes. That person is not normal. It's not normal. There is no normal person. Il n'y a aucune personne normale. That will tell you, I want trouble. Qui va dire qu'il veut les problèmes. Everybody want peace. Tout le monde veut la paix. The father want peace. Le père veut la paix. The mother want peace. La mère veut la paix. That little baby, ce petit bébé that we wake up at midnight, qui se réveille à minuit and be screaming, et crie, he actually want peace. Il veut la paix en réalité. But the only way to communicate, I want peace. Mais la seule façon de demander cette paix is to disturb you. C'est de te déranger. That is the average nature of man. Ça, c'est la nature moyenne de l'homme. So since everybody want peace, et donc, vu que tout le monde veut la paix, how come there is no peace? Pourquoi n'y a-t-il pas la paix? Because man is greedy. Parce que l'homme est égoïste. Man is selfish. L'homme est égoïste. In his quest for peace, dans sa quête de la paix, man is selfish. L'homme est égoïste. Man is self-centered. L'homme est égocentrique. And that is not the way of peace. Et ce n'est pas la voie de la paix. Isaiah 59 verse 8. Esaïe 59 8. He said the way of peace they know not. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. The way of peace they know not. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. And their judgment in them in their and there is no judgment that there is no justice in their going. Et il n'y a point de justice dans leur voie. They have made their path crooked path. Ils prennent des sentiers détournés. So whosoever goeth therein shall know no peace. Quiconque qui marche ne connaît point la paix. So because man is selfish. Et parce que l'homme est égoïste. That is why man cannot access peace. C'est pourquoi l'homme ne peut pas accéder à la paix. Man is too selfish. L'homme est trop égoïste. Because of man peace. À cause de la paix de l'homme, he can put you in discomfort. Il peut vous mettre dans l'inconfort. Just to have his own peace. Pour avoir sa propre paix. So that is why they don't know the way of peace. Voilà pourquoi ils ne connaissent pas le chemin de la paix. C'est clair? Is that clear? I make reference.
Je prends en référence for the children of Israel, les enfants d'Israël. For 430 years, pendant 430 ans, they were in captivity. Ils étaient en captivité. They were the hewers of wood. Ils étaient là à couper le bois, of water, à puiser l'eau. All those pyramids that was built in Egypt. Toutes les pyramides qui ont été construites en Égypte. They were used to build it. Ils ont été utilisés pour les construire. So they were in forced labor, they were in slavery. Donc ils faisaient un travail forcé, c'était des esclaves. That is the average nature of man. Ça c'est la nature de l'homme. He wants his neighbor to be a slave. Il veut que son voisin soit esclave. Just for him to be at peace. Pour que lui soit en paix. Somebody say, how come? Quelqu'un peut dire comment ça? Finally, enfin, in Exodus 14, dans Exode 14, the captivity ends. La captivité a pris fin. After Pharaoh has lost his firstborn, après que Pharaon ait perdu son premier fils, and all the firstborn in Egypt, et tous les premiers nés d'Égypte, they said go. Ils ont dit allez. Go. Allez. As they left, et quand ils sont partis, Pharaoh and his men gathered again. Pharaon et ses hommes se sont encore réunis. We have allowed them to go. Mais si nous les laissons partir, who will be fetching water for us? Qui va puiser l'eau pour nous? Who will be building for us? Qui va construire pour nous? Who will be slave to us? Qui sera notre esclave? No way. Rien à faire. Let's go and bring them back. Allons les ramener. So you see the nature of man? Donc vous voyez la nature de l'homme? So bring them back. To subject them to slavery. Ramenez-les pour qu'on les assujettisse à nouveau à l'esclavage. So we can have our peace. Afin que nous on ait la paix. Whoever is subjecting your destiny to slavery. Quiconque veut assujettir ta destinée à l'esclavage. For him to have his or her peace. Pour qu'il ait la paix. In the name of Jesus the Christ. Au nom de Jésus le Christ. I reverse the tide. Je renverse la tendance. I declare a reversal. Je déclare un renversement. Whoever has been using your destiny, quiconque utilise ta destinée, as a means of his or her peace, comme moyen de sa part, I de sa paix, a reversal today, je déclare un retournement aujourd'hui. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. They said, no, they will not go. Ils ont dit non, ils ne partiront pas. They must be in crisis. Ils doivent rester dans les crises. For we to enjoy peace. Pour que nous jouissions de la paix. And God stepped in. Et Dieu est entré. Whoever has locked you into prison. Quiconque vous a emprisonné. For you to be enjoying peace. Pour qu'ils jouissent de la paix. God is stepping in today. Dieu va intervenir aujourd'hui. Your freedom has come. Votre liberté est arrivée. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. To show you the selfish nature of man. Pour vous montrer la nature égoïste de l'homme. Isaiah 38. Isaiah 38. He said, "He don't dare what King Hezekiah sick unto death." Le roi Ézéchias était malade à mort. And God sent his prophet to King Hezekiah. Et Dieu a envoyé son prophète vers Ézéchias. And said, "You will die." Et lui a dit, tu vas mourir. Hezekiah, so God, I'll be serving you now. Il a dit, Dieu, je te sers, non? I don't want to die. Je ne veux pas mourir. God said, okay, I've added 15 years to your age. Et Dieu lui a dit, ok, j'ajoute 15 ans à tes années. You will not die again. Tu ne mourras plus. And he began to celebrate. Et il a commencé à célébrer. So the Babylonians heard it. Et les Babyloniens l'ont entendu. That Hezekiah was sick unto death. Que Ézéchias était malade à mort. He has recovered. Mais qu'il est guéri. So they came to visit him. Et ils sont venus le visiter. And he showed them the secret of his kingdom. Et il leur a montré le secret de son royaume. By exposing the secret power of his kingdom. En exposant la puissance secrète de son royaume. And God sent the prophet, go back to Hezekiah, he have done stupid things. Et Dieu a renvoyé le prophète, retourne voir Ézéchias, il a été stupide. And the prophet asked Hezekiah, et le prophète est revenu lui dire, who are those men that came here? Qui sont ces hommes qui sont venus? He said they came from afar, Babylonians. Il dit, ils viennent de loin, ce sont des Babyloniens. And what happened? Qu'est-il arrivé? He said, I showed them every secret of the palace. Je leur ai montré les secrets du palais. He said, by that act you did, il a dit, par cet acte,
After you must have died, après ta mort, they will come back again. Ils reviendront. This time around, cette fois, they will enslave your children. Ils vont emmener tes enfants en captivité. All these precious goods in your palace, et tous ces biens précieux dans ton palais, they will carry it to their kingdom. Ils l'emmèneront dans leur royaume. You know what Ezekiah said? Vous savez ce qu'Ezekiel a dit? He said, "Thank God, very good." Il a dit, Dieu merci. It will not happen to me. Ça ne m'arrivera pas. As long as I will enjoy peace. Aussi longtemps que je jouis de la paix. Because you will enjoy peace. Parce que tu veux jouir de la paix. You have sold the destiny of your children into slavery. Tu as vendu la destinée de tes enfants en esclave, à l'esclavage. Can you see the nature of man? Est-ce que vous pouvez voir la nature de l'homme? So the nature of man is so selfish. La nature de l'homme est égoïste. That is why there are no peace. C'est pourquoi il n'y a pas de paix. Hallelujah. Amen. But as for you, mais en ce qui vous concerne, peace is taking over your life. La paix va s'emparer de votre vie. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus le Christ. So now let's check out the way of peace. Maintenant, nous allons considérer les voies as de la paix. Men have no peace. Parce qu'il dit que les hommes n'ont pas la paix. Because they don't know the way of peace. Parce qu'ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Remember, our teaching is encounter with the peace that passes all knowledge. Souvenez-vous que notre enseignement c'est la rencontre avec la paix qui surpasse toute intelligence. The way of peace is in covenant. Le chemin de la paix c'est l'alliance. The way of peace is in covenant. Le chemin de la paix c'est l'alliance. Second Chronicles chapter 15. De Chroniques 15. So he's talking about King Asa. Parlons du roi Asa. From verse 1, verset 1. Then in verse 3, et au verset 3. Au verset 3. Now, for a long season, pendant longtemps, there were no peace. Il n'y eut pour Israël. Because there were no true God. Said, ni vrai Dieu. Now for a long season, Israel had been without true God. Pendant longtemps, il n'y eut point pour Israël ni and vrai Dieu. Without a teaching priest, ni sacrificateur. And without law. Qui enseignait la loi. Verse 4. Ni loi. Verset 4. But when in their trouble, mais quand au sein de leur détresse, they turned to the Lord, ils se sont retournés à l'Éternel, and sought the Lord, le Dieu d'Israël. He was found of them. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. So they had no peace. Donc ils n'avaient pas de paix. From verse 1 to 2. À partir du verset 1 verse à 2. Said, because they did not follow the true God. Parce qu'ils ne suivaient pas le vrai Dieu. They did not follow the word of God. Ils n'ont pas suivi la parole de Dieu. So they were out of peace. Donc il leur manquait la paix. But in their trouble, mais dans leur détresse, they seek God. Ils crièrent à Dieu. Then in verse 12, et au verset 12. Verse 12. Au verset 12. Verse 12. Verset 12. And they enter into a covenant to seek the Lord of their father. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur with père, hearts, de tout leur cœur et de toute leur âme. Verse 15, verset 15. Verse 15. 15. And they rejoice. Tout Judas se réjouit and peace was restored. De ce serment car ils avaient juré so de tout leur cœur. And the Lord gave them rest round about. Et l'Éternel leur donna le repos de tous côtés. The Lord gave them rest round about. L'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Round about, talk about peace. Le repos de tous côtés, c'est la paix. Hallelujah. Amen. Rest round about, talk about peace. Le repos de tous côtés, c'est la paix. Why? Pourquoi? Because they enter covenant. Parce qu'ils sont entrés en alliance. To seek the Lord. Pour chercher l'Éternel. So they enter into the covenant of peace. Ils sont entrés dans l'alliance de paix. And peace was restored. Et la them. Paix était restaurée. Somebody peace shall be restored in the course of this service. La paix de quelqu'un sera restaurée au cours de ce service. In the name of Jesus the Christ. Au nom de Jésus le Christ. Ezekiel 34. Ézéchiel 34. 25 to 26. 25 à 26. Talking about, and I will give the covenant of peace. Je traiterai avec elle une alliance de paix. John 14, 27. Jean 14, 27. Peace I leave with you. Je vous laisse ma paix. My peace I give unto je you. Je vous donne ma paix. Not as the world giveth. Je ne vous donne pas la, I give comme le monde unto donne. You. Let not your heart que be votre troubled. Cœur ne se trouble point. Neither be afraid. Et ne s'alarme point. Hallelujah. Amen. So redemption. Donc la rédemption is the covenant of peace. Est l'alliance de paix. By redemption. Par la rédemption. God brought us into his peace. Dieu nous a emmenés dans sa paix. God cut
a covenant of peace with mankind through the shed blood of Christ. Dieu a établi une alliance de paix avec l'homme par son sang versé. God cut a covenant of peace. Dieu a établi une alliance de paix with mankind avec l'homme through the shed blood of Christ. Par le sang versé de Christ. Colossians chapter 1 verse 20. Colossiens 1 20. He said, and having made peace through the blood of his cross. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. By him to reconcile all things unto himself. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans by les him, cieux. I say, whether the things in earth and the things in heaven. Tout ce qui est sur la terre comme dans les cieux en faisant la paix. So through the par blood lui. Of Jesus Christ. Donc par le sang de Jésus-Christ. Then we are restored back to peace. Ils ont été restaurés. And the Bible says all round rest. Et la Bible dit le repos de tous côtés. All round peace. Le repos de tous côtés. All round peace. La paix de tous côtés. Now before we advance. Maintenant avant d'avancer. What is peace? Qu'est-ce que la paix? Peace is not absence of crisis. La paix ce n'est pas l'absence de crise. Peace is assurance of the hand of God even in the midst of crisis. La paix c'est l'assurance de la main de Dieu au milieu des crises. Peace. La paix. Is having confidence in God. C'est avoir l'assurance. That no matter the storm of life. Que peu importe la tempête de la vie. I am coming out victorious. J'en sors victorieux. No matter the storm of life. Peu importe la tempête de la vie. I must have a way out. J'aurai une issue de sortie. That is peace. C'est ça la paix. So peace is not absence of crisis. Donc la paix ce n'est pas l'absence de crise. Peace is not absence of trouble. Ce n'est pas l'absence de problème. Peace is not absence of persecution. La paix ce n'est pas l'absence de persécution. Peace is not absence of the challenges of life. La paix ce n'est pas l'absence des défis de la vie. Peace is victory assured. La paix c'est la victoire assurée. Peace is victory assured. La paix c'est la victoire assurée. In spite of the challenges. Malgré les défis. In spite of the confrontation. Malgré les confrontations. In spite of the storm of life. Malgré les tempêtes de la vie. You have assurance. Vous avez l'assurance. That you are coming out victorious. Que vous en sortez victorieux. Mark chapter 4. Marc 4. 35 to 40. 35 à 40. Jesus was on a boat with his disciples. Jésus était dans une barque à bac avec ses disciples. Et la tempête de la vie est arrivée. The storm of life came. La tempête de la vie est arrivée. And Jesus was sleeping. Et Jésus dormait. And the disciples called him master. Et les disciples l'appelaient maître. Ah, you sleep, we perish. Pourquoi est-ce que tu dors pendant que nous périssons? And Jesus arose from sleep. Et Jésus s'est réveillé de son sommeil. Can you imagine that? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? In the storm of life. Pendant la tempête de la vie. Jesus was sleeping. Jésus dormait. He arose from sleep. Et il s'est réveillé. And says, still. Et il a dit silence. Peace. Tais-toi. And he calmed the storm. Et il a calmé la tempête. Somebody said that is Jesus Christ. Quelqu'un peut dire c'est Jésus-Christ. What about Peter? Qu'en est-il de Pierre? Was locked in the prison. Il était en prison. Acts chapter 12. Acte 12. And they were to bring him out and kill him the following day. Et on devait le sortir pour le tuer le lendemain. He took a pillow and was sleeping. Et il a pris un oreiller et il dormait. Enjoying himself. Et il se réjouissait. To die tomorrow? Mourir demain. And you are enjoying yourself the et toi tu dors la veille de ta mort. Peace. La paix. Even in the storm. Même au milieu de la tempête. And the angel came. Et l'ange est venu. And peacefully took him out. Et l'a fait sortir paisiblement. Peace. La paix. In the midst of the storm. Au milieu de la tempête. Acts chapter 16. Acte 16. Paul and Silas. Paul et Silas. They were unjustly beaten. Ils ont été battus injustement. And thrown into the prison. Et ils ont été jetés en prison. They were chained. Ils étaient enchaînés. And they were singing. Et ils chantaient. Celebrating. Ils célébraient. In the midst of crisis. Et au milieu des crises. They were celebrating. Ils célébraient. And the Lord came down. Et l'Éternel est descendu. An earthquake. Comme un tremblement de terre. The door shattered. Et les portes se sont ouvertes. The chain that chained them shattered. Et les chaînes sont tombées. To tell you the gravity of what they were facing.
Pour vous dire la gravité de ce à quoi ils faisaient what face. Was ahead of them. Ce qui les attendait. When the jailer came, the priest, the one in charge came. Quand le geôlier est arrivé. And discovered. Et qu'il a découvert. That the prison door were opened. Que les portes de prison étaient ouvertes. He wanted to commit suicide. Il voulait se tuer. Because he thought they have escaped. Parce qu'il pensait qu'ils s'étaient échappés. And for you to know the gravity of what was facing and waited Paul and Silas. Pour que vous connaissiez la gravité de ce à quoi il faisait face. Paul and Silas have escaped, comme Paul et Silas s'étaient échappés, the man in charge of the prison will die their death. Le geôlier devait mourir de leur mort. The man said, "Let me just quickly commit suicide first." Il a dit, je vais me tuer. To tell you the gravity. Pour vous dire la gravité. But even in spite of that, mais malgré cela, Paul and Silas, they didn't go anywhere. Paul et Silas ne sont pas sortis. They sat in the prison. Ils se sont assis en prison. The door was open. La porte était ouverte. Chain loose. Les chaînes tombées. They relax. Ils sont restés là. In the midst of death, au milieu de la mort. They calmed down. Ils étaient calmes. They were so calm. Ils étaient si calmes. And the man wanted to kill himself. Et l'homme voulait se tuer. They said, oh boy, ils ont dit, monsieur, relax. Reste tranquille. We didn't run away. Nous n'avons pas fui. What are we running for? Pourquoi devons-nous fuir? Here we are. Nous sommes là. That is peace. Ça, c'est la paix. In the face of death, en face de la mort, assurance, l'assurance that the God that removed the chain, que le Dieu qui a ôté les chaînes, that the God that opened the doors, que le Dieu qui a ouvert les portes, will still wonderfully deliver us, va quand même nous délivrer merveilleusement. We don't know where. That is peace. C'est ça la paix. In the midst of trouble, au milieu des problèmes, you are confident God will deliver you. Vous avez la confiance que Dieu va vous délivrer. C'est ça la paix. I don't know what you are going through. Je ne sais pas ce que vous traversez. The peace of the Lord take over. La paix de l'Éternel s'en charge. The peace of the Lord take over. La paix de l'Éternel prend le relais. La paix de l'Éternel prend le relais. Whatever trouble your heart before now, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui troublait votre cœur avant maintenant, lose their hold over your life. Lâche prise maintenant. Lâche prise maintenant. Lâche prise maintenant. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. So now we know what is called peace. Maintenant vous connaissez la paix. So this is the peace. C'est la paix. That put you at rest. Qui vous met au repos. Our problem is we worry too much. Notre problème, c'est que nous nous inquiétons trop. How many times have your worry changed things? Combien de fois votre inquiétude a changé quoi que ce soit? The best result worry will give to you. Le meilleur résultat que l'inquiétude vous donne is to deteriorate the state. C'est de détériorer votre état. Worry will give you high blood. L'inquiétude va vous donner l'hypertension. And high blood will put pressure on your life. Et l'hypertension met la pression dans votre vie. Then before you know it, et avant de vous en rendre compte, you now say, I have high blood pressure. Vous allez dire l'hypertension. Je suis hypertendu. Who high your blood? Qui a hypertendu votre sang? You are the one that high your c'est blood vous qui mettez la pression. You are the one that high your blood. C'est vous qui mettez la pression and à votre sang. This you are high your blood for. Et les choses pour lesquelles vous vous mettez de la pression. There is no solution. They are still there. Vous n'avez pas de solution quand même. Ces points sont toujours là. Now you have high your blood. Maintenant que vous êtes hypertendu. You are now running from doctor to doctor. Vous allez de docteur en docteur. To control your blood. Pour réduire ce, pour ramener à la normale votre tension. The original problem. Mais le problème original blood, qui a fait monter cette pression, you have to leave that one first. Vous avez laissé là le problème because à côté. Head first. Parce qu'il faut d'abord se soigner. And the problem will be expanding. Et le problème continue à grossir pendant so the ce temps. Time you were supposed to solve the problem, et le temps que tu devais prendre pour résoudre le problème, you are now pursuing your head. Tu es maintenant en train de régler le problème then de ta the santé. Problem is now growing root. Parce que et le problème commence à s'enraciner. Bearing fruit. Et apporter des fruits. Why are you troubling yourself? Pourquoi est-ce que tu te troubles? Why did you trouble yourself in what you cannot control? Pourquoi est-ce que tu veux t'embêter avec des choses que tu ne peux pas contrôler? Our father said, if you have lost anything, notre père a dit, si tu as perdu quelque chose, God will not lose everything. Dieu est la raison pour laquelle tu n'as pas tout perdu.
Pastor, look at me. I've married since for the past 10 years, no child. Pasteur, regarde-moi, je suis marié depuis 10 ans sans enfant. What about the one that I've not married? Qu'en est-il de celle qui n'est même pas encore mariée? Pastor, look at me. I'm not married at my age. Regarde, pasteur, à mon âge, je ne suis pas marié. What about the one that's already in the grave? Qu'en est-il de celle qui est déjà dans la tombe? So why do you trouble yourself? Donc pourquoi est-ce que tu veux t'embêter sur les choses que tu ne contrôles pas? I share a testimony for service. J'ai partagé un témoignage au premier service. I had a pastor. J'avais un pasteur. He was under my station. Qui était dans ma station. He was under me. Il était sous moi. Very vibrant and good pastor. Il était vibrant, bon pasteur. And they gave me his story. On m'a raconté son histoire. That the mother died. Sa mère est morte. Because of him. À cause de lui. He was a very bad child. C'était un mauvais enfant. A very problematic child. Un enfant problématique. Because of his lifestyle. À cause de son style de vie. He was giving the mother concern. Il embêtait sa mère, il troublait in sa mère. A bid to solve the boy's problem. En essayant de régler le problème de ce garçon, the mother died. Elle est morte. After the mother died, et après la mort de sa mère, he got born again. Il est né de nouveau. So you see why, how you are fooling yourself? Donc vous voyez comment vous vous embêtez pour rien. Pastor, my child. Pasteur, hey, mon hey, enfant, daughter, mon fils, hey, daughter, ma fille, hey, ma fille, hey, blood high, hey, blood j'ai la pression, l'hypertension. Vous allez mourir pour rien. You just die for free. Vous allez mourir cadeau. The woman died for free. Elle est morte cadeau. And the person you are dying for. Et la personne pour laquelle elle est morte now got born again. Est née de nouveau. Become a pastor. Il est devenu pasteur. That is why Jesus said, c'est pourquoi Jésus a dit through Apostle Paul, par l'apôtre Paul Philippiens 4, Philippiens 4 verse 6, verset 6 he said, be careful for nothing, ne vous inquiétez de rien but in everything, mais en toute chose by prayer and par des prières, des supplications he didn't end there, et il ne s'est pas arrêté là with thanksgiving, et des actions de grâce with thanksgiving, avec des actions de grâce your request be made faites connaître God. À Dieu vos besoins with thanksgiving, par des actions de grâce you can't be thankful, vous ne pouvez pas rendre des actions and de grâce wonderful. Si vous êtes inquiet, worry and thanksgiving cannot move together. L'inquiétude et les actions de grâce ne vont pas ensemble. Be careful for nothing. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. In everything, en toute chose, present your prayer. Présentez votre prière with thanksgiving. Avec des actions so de grâce. Let your request be made known unto God. Que votre requête soit connue à Dieu. Chicken, simple. C'est tout, simple. Then he moved on to verse 7. Maintenant au verset 7. Then the peace, alors la paix that passeth all knowledge, qui surpasse toute intelligence will now rest on you. Vous sera donnée. Why are you looking older than your age? Pourquoi est-ce que vous paraissez plus vieux que votre âge? Worry. Les inquiétudes. Worry. Les inquiétudes. You say you are 40 years, you are looking like 82. Vous dites que vous avez 40 ans et vous semblez avoir 82 ans. Are you the one carrying the problem of the world? Est-ce que c'est vous qui portez le problème du monde? Calm down. Calmez-vous. It is in peace. C'est dans la paix. You have solution. Que vous avez la solution. Hallelujah. Amen. So peace is one of the vital fruits of the proof of our redemption. La paix est l'un des fruits vitaux de la preuve de notre rédemption. Galatians 5 verse 22. Galates 5 22. Say, but the fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness and faith. Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Hallelujah. Amen. So peace. It's a fruit. Donc la paix est un fruit de votre rédemption. The kingdom we belong is a kingdom of peace. Le royaume auquel vous appartenez est un royaume de paix. Colossiens chapter 1 verse 13. Colossiens 1:13. He said, who has delivered us from all the power of darkness?
qui nous a délivré de la puissance des ténèbres into the kingdom of his dear son. Et nous a transporté dans le royaume du fils de son amour. Now what is in the kingdom of his dear son? Qui a-t-il dans le royaume du fils de son amour? Romans 14, 17. Romains 14, 17. He said, for the kingdom of God is not in meat and in drink. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. But righteousness, mais la justice, peace, la paix, and joy et la in the joie Holy Ghost. Par le Saint-Esprit. We belong to the kingdom of righteousness. Nous appartenons au royaume de justice. Kingdom of peace, au royaume de paix. And the kingdom of joy in the Holy Ghost. Et au royaume de joie par le Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. They have translated us out of the kingdom of worry. Il nous a transporté du royaume d'inquiétude. Into the kingdom of dear soul. Dans le royaume du fils de son amour. What is working? Ce qui marche, celebrate him. Célèbre-le. What is not working? Ce qui ne marche pas, present it to him. Présente cela à Dieu. And rest in him. Et repose-toi. What is working? Pour ce qui marche, celebrate him. Célèbre-le. What is not working? Pour ce qui ne marche pas, present it to him. Présente le cas devant lui. And rest in him. Et reste dans le calme. Hallelujah. Amen. He has solution for you. Il a la solution pour toi. My day of solution is not your day of solution. Mon jour de solution n'est pas ton jour de solution. My day of solution is not your day of solution. Mon jour de solution n'est pas ton jour de solution. He has a day for every man. Il a un jour pour chaque homme. Rest in his love. Reste calme dans son amour. Rest in his peace. Reste calme dans sa paix. Hear what Jesus said. Écoute ce que Jésus dit. Come unto me. Venez à moi. All ye that vous tous qui êtes chargés. And are heavy laden. Et fatigué. I will give you rest. Et je vous donnerai du I repos. Will give you rest. Je vous donnerai du Move repos. On to the next verse. He said, the next verse. Le prochain verset. He said, take my yoke upon you. Prenez mon joug sur vous. And lean of me. Et recevez mes instructions. I am meek and lowly in heart. Car je suis doux et humble de cœur. And you shall find rest. Et vous trouverez unto your soul. Le repos pour Stop vos âmes. Carrying a heavy heart. Arrêtez d'avoir un cœur lourd. That's why Jesus said, give me your problem. Voilà pourquoi Jésus dit, donne-moi ton problème. So that your heart can be relieved of body. Afin que ton cœur soit allégé. I am meek and lowly. Je suis humble et doux so de cœur. When you come to me, donc quand tu viens à moi, I will give you my lowly heart. Je te donne mon cœur simple. A heart of burden, a heavy heart is the heart that destroys. Un cœur lourd, un cœur de problème, c'est un cœur qui détruit. A heavy heart, un cœur lourd, is a heart that destroys. Est un cœur qui détruit. Most of the ailments we are going through. La plupart des choses que nous traversons they come in as a result of a heavy heart. Viennent en résultat d'un cœur chargé. Where your heart is heavy, quand votre cœur est chargé, it blocking the free flow of your blood. Ça bloque l'écoulement de ton sang. And all manner of sickness will start coming et toutes sortes de maladies commencent à faire surface. Free your heart, free your heart. Libérez vos cœurs, libérez free vos your cœurs, heart, free your libérez heart. Vos cœurs, free your heart. Libérez vos cœurs. You are not carrying the problem of the world. Vous ne portez pas le problème du monde. Are you with me? Est-ce que vous me suivez? You are not carrying the problem of the world. C'est pas vous qui transportez le problème you are du monde. Only carrying your own. Vous portez seulement votre problème. And Jesus knows your own. Et Jésus connaît ce He problème. Will come in for you. Il va le régler Free pour vous. Libérez votre cœur. A man went on fishing. Un homme est allé pêcher. He caught some fishes. Et il a attrapé un peu de poissons. As he caught some fishes, et comme il a attrapé ses poissons, he was resting. Il se reposait. Another man came to him. Et un autre homme est venu. He said, what are you doing? Qu'est-ce que tu fais? He said, I'm resting. Il dit, je me repose. So why are you resting? Pourquoi est-ce que tu te reposes? He said, I caught some fishes. Il dit, j'ai attrapé, j'ai pêché du poisson. He said, no, go and fish more. Il a dit, va en attraper plus. He said, if I fish more, what will I do? Il dit, si j'en prends plus, qu'en ferai-je? He said, you will get a bigger boat. Il lui a dit, tu prendras un plus grand bateau. When I get a bigger boat, what will I do with it? Et quand j'aurai un plus grand bateau, que ferai-je? He said, you will catch more fishes. Il dit, tu vas attraper plus de poissons. He said, if I catch more fish, what will I do with them? Et que ferai-je avec tous ces poissons? He said, you will make more money. Tu auras plus d'argent. He said, what will I do next? Et qu'est-ce que je ferai de cet argent? He said, you cannot rest. Il dit, tu pourras maintenant te reposer. He said, what am I doing now? Il dit, qu'est-ce que je fais maintenant?
What am I doing now? Qu'est-ce que je fais maintenant? Since you want to teach me how to rest, puisque tu veux m'apprendre à me reposer, what am I doing now? Que suis-je en train de faire? Tell your neighbor, relax. Dis à ton voisin, relax. 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 You want to teach me how to rest when I'm already resting. Tu veux m'apprendre à me reposer alors que je suis déjà en train de me reposer. Hallelujah. Amen. So I want you to understand. Je veux que tu comprennes. That the prince of peace. Que le prince de paix. Is the king of this kingdom. Est le roi de ce royaume. That is Jesus Christ. Jésus Christ. Isaiah chapter 9 verse 6. Isaïe 9, 6. So unto us a child is born, son is given. His name shall be called Wonderful Counselor, Everlasting Father, the Prince of Peace. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. So we belong to a kingdom of peace. Donc nous appartenons à un royaume de paix. Revelation chapter 19 verse 16. Apocalypse 19, 16. It says, and he had on his vesture and on his thigh. A name written, the King of Kings and the Lord of Lords. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Hallelujah. Amen. But what are the wonders embedded in this order of peace? Quelles sont les merveilles contenues dans ce genre de paix? When I have my rest, my peace in the Lord, what are the wonders? Quand je suis au repos et j'ai ma paix dans le Seigneur, quelles sont les merveilles? Number one. Premièrement, he allow God to fight your battles. Dieu combat tes combats. God cannot take over your battles in your worry. Dieu ne peut pas se charger de tes batailles pendant que tu t'inquiètes. But when you are rest in God, mais quand tu es dans le repos, he fights your battles. Il combat tes batailles. In that Exodus chapter 14, Exode 14, from verse 13, verset 13, or if you read from verse 10, 12, si vous lisez à partir du verset 12, the children of Israel saw the Egyptians coming. Les enfants d'Israël ont vu les Égyptiens venir. And ahead of them was the Red Sea. Et devant eux, il y avait la mer Rouge. Ah, they say, alas, we are finished. Il a dit, hey, nous sommes morts. Is there no grave in Egypt? Let us just die as a prisoner there. Y avait-il pas de tombe en Égypte? Nous serons morts comme prisonniers là-bas. Now, verse 13. Verset 13. Verse 13. 13. And Moses said unto the people, Moïse répondit au peuple, fear ye not. Ne craignez rien. Fear ye not. Ne craignez rien. Stand still. Restez en place. Be at peace. C'est-à-dire restez calme. It is when you are at peace. C'est quand vous êtes dans le repos. You experience the salvation of the Lord. Que vous expérimentez la délivrance de l'Éternel. Egyptians you see today, parce que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, you will see them no more. Vous ne les verrez plus. As you allow the peace of God to reign in your life. En permettant à la paix de Dieu de régner dans votre vie. Every persecutor persecuting your life. Tout persécuteur qui vous persécute, they will go down for your sake. Tomberont pour vous. Verse 14. Verset 14. The Lord will fight for you. L'Éternel combattra pour toi. And you will hold your peace. Et vous garderez le silence. The Lord will fight for you. L'Éternel combattra pour vous. You will hold your peace. Et vous garderez le silence. When God be for you, si Dieu est pour vous, who can be against you? Qui sera contre vous? Be at peace. Soyez dans la paix. Be at peace. Soyez dans la paix. Allow the peace of God to reign over your life. Et laissez la paix de Dieu régner dans votre vie. To reign over your life. Arrêtez de vous inquiéter. What you don't have power to change, what are you troubling yourself for? Pourquoi est-ce que vous vous embêtez pour quelque chose que vous ne pouvez pas changer? What are you troubling yourself for? Pourquoi vous vous embêtez? Hallelujah. Amen. Another thing in this peace. Et l'autre chose, it guarantees the presence of God. Elle garantit la présence de Dieu. It guarantees the presence of God. Cette paix garantit la présence de Dieu. Look at the man called Jonah. Regardez l'homme appelé Jonas. God sent him on an errand. Dieu l'a envoyé. He disobeyed. Il a désobéi. Then immediately in the middle of the sea. Et au milieu de la mer, the fish came and swallowed him. La baleine l'a avalé. Read chapter 2 of Jonah. Chapitre 2 de Jonah. Inside the belly of the fish. Et dans le ventre du poisson. Jonah began to appreciate God. Il a commencé à apprécier Dieu. And you cannot thank God and not attract his presence. Vous ne pouvez pas remercier Dieu sans attirer sa présence. The first thing Jonah did. La première chose que Jonas a fait, even in the grave, même dans la
tombe. He created an atmosphere of peace. Il a créé l'atmosphère de paix. After creating an atmosphere of peace, après avoir créé cette atmosphère de paix, began to praise. Il a commencé à louer. You can't be peaceful in your heart and not be praiseful. Vous ne pouvez pas être, avoir un cœur paisible sans louer. Jonah began to praise God. Jonas a commencé à louer Dieu. He began to thank God. Il a commencé à danser. And what brings the presence of God is praise. Ce qui emmène la présence de Dieu, c'est la louange. Right in the belly of the fish. Et dans le ventre du poisson, Jonah brought the presence of God. Il a emmené la présence de Dieu. Hallelujah. Amen. And God had no choice. Et le poisson n'avait pas de choix. But to split him to safety. Et Dieu n'avait pas de choix que de l'emmener en sécurité. Après trois jours dans le ventre du poisson, il est sorti à un endroit de sécurité. Je ne sais pas ce qui représente le ventre du poisson dans votre vie. Si vous permettez à la paix de Dieu de s'installer, cette fish est splitting you to your safety. Ce poisson va vous vomir en lieu sûr. He's splitting you to your testimony. Il va vous vomir dans votre témoignage. He's splitting you to your promotion. Il va vous vomir dans votre promotion. He's splitting you to your advancement. Il va vous vomir dans votre avancement. He created the presence of God. Il a créé la présence de Dieu. And he brought in the presence of God. Et il a emmené la présence de Dieu. And God took him to his safety. Et Dieu l'a emmené en sécurité. That's why David said, voilà pourquoi il a dit, Psalm 23, 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, just like Jonah, comme Jonas, who was in the valley of the shadow of death, qui était dans la vallée de l'ombre said, de la mort, I fear no evil, je ne crains rien, je ne crains thou aucun mal, art with me, car tu es avec the moi. Staff and thy rod, ta houlette et ton bâton me rassurent. He moved, he said, yeah. Il dit oui. Surely, oui. Goodness and mercy, le bonheur et la grâce shall follow me, m'accompagneront all the days of my life, tous les jours de ma vie. Ooh. Because you cannot allow the peace of God to reign in you. Vous ne pouvez pas permettre à la paix de Dieu de régner en vous. And not enjoy the goodness and the mercies of God. Sans jouir des bontés et de la miséricorde de Dieu. The goodness and the mercies of God. Les bienfaits et la miséricorde de Dieu. Make David unbeatable in the battles of life. La bonté et la miséricorde de Dieu a fait que David soit imbattable dans les batailles de la vie. Because David knows how to attract the presence of God. Parce que David savait comment attirer la présence de Dieu. By creating a peace in the inner mind first. En créant la paix en l'homme intérieur d'abord. Stop troubling your life. Arrêtez de vous embêter. Stop troubling your life. Arrêtez de troubler Stop votre vie. Troubling your life. Arrêtez de vous embêter. You have no spare life on this earth. Vous n'avez pas de vie de rechange sur you terre. Have no spare. Vous n'avez pas de vie de rechange. Don't damage the one you have. Donc n'endommagez pas celle que vous avez. Because of things you cannot control. À cause des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Enjoy the one you have. Jouissez-vous, profitez de ce que what vous avez. You cannot control, God will take over. Et Dieu prendra soin de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Hallelujah. Amen. Now, as I round up this teaching this morning, pour clôturer cet enseignement, what must I do to experience this order of peace? Que dois-je faire pour expérimenter cet ordre de paix? Number one, be born again. Premièrement, naissez de nouveau. That Matthew 11. Matthieu 11. 28. Just say, come unto me. Venez à moi. All you that labor are heavy laden. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Born again is not just going to church. Être né de nouveau, ce n'est pas seulement aller à l'église. Are we together? Est-ce que vous suivez? Born again is not just going to church. Ce n'est pas seulement aller à l'église. Born again is a encounter with Jesus. Naître de nouveau, c'est avoir une rencontre avec Jésus. Sir, you cannot be genuinely born again. Vous ne pouvez pas être réellement né de nouveau enjoy the peace of God. Sans jouir de la paix de Dieu. Even in the midst of crisis. Au milieu des crises. Number two. Numéro 2. Be filled in the Holy Ghost. Soyez remplis du Saint-Esprit. Romans 14, 17. Romains 14, 17. So for the
So for the kingdom of God is not the meat and drink, but the righteousness and the peace and joy in the Holy Ghost. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Number three. Troisièmement. Be committed to the study of the Word of God. Soyez engagés à l'étude de la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. Psalm 119:165. Psalm 119:165. It says, "Great peace have they which love thy law." Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. And nothing shall offend them. Et il ne leur arrive aucun malheur. Because the more you are exposed to the word of God, parce que plus vous êtes exposé à la parole de Dieu, the more you are exposed to the secret of God, plus vous êtes exposé, then the more you enjoy the peace of God. À la présence de Dieu, plus vous jouissez de la paix de Dieu. Alléluia. Amen. I have got to learn. That's why I came up with a prophetic song that always follows me anywhere I go. Je suis sorti avec un chant prophétique qui m'accompagne partout où je vais. Colorful and is bright, I must get there. Coloré et brillant, j'y arriverai. Colorful and is bright, I must get there. Coloré et brillant, j'y arriverai. My future is bright. Mon avenir est brillant, j'y arriverai. My future is mon avenir bright. Est brillant, I must j'y get arriverai. There. Hear me, sir. Écoutez-moi. Because he said the path of the just is like a shining light. Parce qu'il a dit le sentier du juste est comme une lumière resplendissante. It shines what? More and more and more. Until the perfect day. Dans l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. So why will I not be at peace? Donc pourquoi est-ce que je ne serai pas en paix? When I know that my tomorrow is better than today. Alors que je sais que mon avenir est meilleur when qu'aujourd'hui. When I know no matter how colorful, no matter what I'm facing today. Quand je sais que peu importe ce que je traverse aujourd'hui, que j'ai un meilleur lendemain. He said, weeping may endure for a night. Il a dit les pleurs peuvent durer la nuit, but joy comes mais la in the joie morning. Vient le matin. So why will I not be at peace? Pourquoi est-ce que je ne serai pas dans la paix? The more of God's word you know, plus vous connaissez la parole de Dieu, the more of peace you enjoy. Plus vous jouissez de la paix. There are things you will see now. You start crying. Some of you will go and throw your Bible away. Say, "Ah, God has disappointed me." Il y a des choses que vous allez voir. Vous allez commencer à pleurer. Certains vont jeter leur Bible en disant, "Dieu m'a déçu." Go and check the word of God. Allez vérifier dans la parole de Dieu. When God was sent to promote Joseph, quand Dieu a été envoyé pour Joseph, he allowed his brethren to sell him to Egypt. Pour promouvoir Joseph, il a permis à ses frères de le vendre en Égypte. When God was so that he will learn the culture of palace in Potiphar's house. Afin qu'il apprenne la culture du palais dans la maison de Potiphar. When God was set to promote him again. Quand Dieu était prêt à lui accorder une autre promotion. He allowed Potiphar's wife to lie against him. Il a permis à la femme de Potiphar de l'accuser. So that he will learn how prisoners are being taught. Afin qu'il voit comment les prisonniers sont traités. And he finds himself in the prison. Et il est arrivé là-bas. And finally. Et enfin. From prison. De la prison. He got to the palace. Il allait au palais. So many of you, donc plusieurs d'entre vous. When your brethren sell you to Potiphar's house, quand vos frères vous ont vendu pour la maison de Potiphar. You say, "Oh God, where are you?" Vous avez dit, oh Dieu, tu es où? You have abandoned me. Tu m'as abandonné. Well, I just pray you will come and rescue me, oh. Je prie que tu viennes me chercher ici. Hein. When Potiphar's wife lies against you, et quand la femme de Potiphar ment contre toi, and you go to prison, et tu vas en prison, you will just throw away your Bible. Tu jettes ta Bible. You say, "This Bible is fake." Yeah, ça c'est faux. If the Bible is original, la Bible, si c'était original, why did God not stop my brethren for selling me? Pourquoi il n'a pas empêché mes frères de me vendre? If the Bible is original, si la Bible est vraie, why did God not tell Potiphar your wife is lying? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit à Potiphar ta femme ment? You see? Vous voyez? So many of you like this, we act like that. Certains agissent comme ça. But when you know the word of God, mais quand vous connaissez la parole de Dieu, you will know it's just a process taking you to your next level. Vous saurez que c'est le processus pour votre prochain niveau. Hallelujah. Amen. So the more of God's word you know, plus vous connaissez la parole de Dieu, the more of God's word that dwells in you, plus la parole de Dieu demeure en vous, the more of God's confidence you develop, plus vous avez confiance, and the more of peace you enjoy, et plus vous avez la paix. Dear amen. C'est amen. That is why 2 Peter chapter 1 verse 2.
C'est pourquoi 2 Pierre 1:2. He said, "Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God." Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. As we round up this morning. Pour clôturer, pour finir. Humility. L'humilité. Humility. L'humilité. Don't be proud. Ne soyez pas orgueilleux. Don't be proud. Ne soyez pas orgueilleux. He said, "The meek will he guide in judgment." Il a dit qu'il garde le celui qui est humble. He will guide you through the path of peace. Il te conduit dans le sentier, le chemin de la paix. Don't let the office you occupy to enter your head. Ne laisse pas le poste que tu occupes entrer dans ta tête. The office you can lose at any time. Le poste que tu peux perdre à tout moment. Why should it enter your head? Ça ne doit pas rentrer dans ta tête. Let your relationship with God enter your head. Que ta relation avec Dieu soit dans ta tête. When you allow God to enter your head, quand vous laissez Dieu pénétrer vos têtes, you will humble yourself, vous vous humiliez, and he will keep promoting you. Et il continue de vous promouvoir. That's why I said, "I am lowly." In that Matthew chapter 11. Voilà pourquoi dans Matthieu 11 il dit, "Je suis humble." I am lowly in heart. Je suis humble de cœur. I am meek. Je suis humble. I am meek. Je suis humble. Hallelujah. Amen. Humility. L'humilité. Keep intimacy with God. Et maintenez une intimité avec Dieu. Keep intimacy with God. Maintenez une intimité avec Dieu. Job 22:21. Job 22:21. Keep intimacy with God. Gardez une intimité avec Dieu. Acquit now thyself with him. Attache-toi donc à Dieu. And be at peace. Et tu auras la paix. Thereby good shall come unto you. Tu jouiras ainsi du bonheur. I see peace that passes human understanding. Je vois la paix qui surpasse l'intelligence humaine. Coming upon you afresh for today. Descendre sur toi à nouveau aujourd'hui. All make order to lose out in life. Ce qui a fait que les autres perdent dans la vie. You will stand out victorious. Toi, tu te tiendras victorieux. What give others troubled hearts. Ce qui a inquiété les autres. Will give you peace. Te donnera la paix. In this troubled world, dans ce monde plein de troubles, you will keep enjoying peace. Vous continuerez à jouir de la paix. You will never fall out of the peace of God. Vous ne sortirez pas de la paix de Dieu. You will never fall out of the peace of God. Vous ne sortirez pas de la paix de Dieu. Vous ne sortirez pas de la paix de Dieu. Oh, non, puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Rise on your feet this morning. Levez-vous ce matin. As you appreciate God. Cet après-midi, pendant que nous apprécions Dieu. Retournez-lui la gloire, retournez-lui la gloire, appréciez-le. Appréciez-le. For his peace is taking over your life. Pour sa paix. Appreciate him. Qui s'empare de votre vie. Father, we thank you. Père, nous te remercions. Blessed be thy name. Béni soit ton nom. In Jesus' most glorious name, we have given thanks. Au nom glorieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Dis amen. C'est amen. Now we are going to pray one prayer. Maintenant, nous allons faire une prière. Abba Father. Abba Père. In any place, way. In any way, I may have ignorantly allowed worry to take over my life. Peu importe dans le domaine dans lequel j'ai laissé l'inquiétude s'emparer de ma vie. Forgive me. Pardonne-moi. I drop my worry. Je laisse mon inquiétude. I take your peace. Et je prends ta paix. Lift your voice to heaven. Lève ta voix. And pray that prayer for yourself. Et fais cette prière. Father. Père, in any way I may have allowed worry to take over my peu importe le domaine dans lequel j'ai laissé l'inquiétude s'emparer de moi. Pardonne-moi. I take your peace, je Lord. Laisse cette inquiétude aujourd'hui. I drop my worry today. Je prends ta paix. I take your peace, je Lord. Laisse l'inquiétude, I je prends ta paix. Today. Je laisse l'inquiétude aujourd'hui. I take your peace, et Lord. Je prends ta paix, Seigneur. I drop my worry je today. Laisse mon inquiétude aujourd'hui. I take your peace, Lord. Et je prends ta paix. Father, Père, in any way, peu importe le domaine où j'ai laissé l'inquiétude prendre la place. Pardonne-moi. Forgive me, Lord. Pardonne-moi. Forgive me, Lord. Pardonne-moi. Forgive me, Lord. Pardonne-moi. I drop my worry today. Je laisse mon inquiétude de côté aujourd'hui et je prends ta paix. I drop my worry today. Je laisse mon inquiétude et je prends ta paix. Thank you, Lord. Merci, Père. For in Jesus, most glorious name. We are praying. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Affliction, peu importe l'affliction that may have overrun your life, qui
entoure ta vie. As a result of your worry. En résultat à ton inquiétude. In the name of Jesus the Christ. Au nom de Jésus le Christ. I command those afflictions to lose their hold over your life now. J'ordonne que ces afflictions lâchent prise dans votre vie maintenant. I command those afflictions to lose their hold over your life now. J'ordonne que ces afflictions lâchent prise maintenant. Be free from depression. Soyez libéré de la dépression. Be free from high blood pressure. Soyez libéré de l'hypertension. Be free from that terminal diseases. Soyez libéré de cette maladie incurable. In the name of Jesus the Christ. Au nom de Jésus le Christ. Receive peace from above. Recevez la paix d'en haut. Peace from above take over la paix d'en haut s'empare de votre vie. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Before we close this service, avant de clôturer, you are here. Vous êtes là. The foundation of peace. La fondation de la paix. Jesus spelled it out. Jésus l'a énuméré. Come unto me. Et il a dit, venez à moi. All ye that labor. Vous tous qui êtes chargés and heavy laden. Et fatigués. I will give you rest. Et je vous donnerai du repos. You are here. Vous êtes là. You know you are not in Christ. Vous savez que vous n'êtes pas en Christ. Or maybe you are in Christ. Ou peut-être que vous êtes en Christ. Somehow you lost it. Vous étiez en Christ et vous êtes sorti. You want to say Jesus. Et vous voulez dire Jésus. I return to you this morning. Je te reviens ce matin. Person, s'il s'agit de vous, put your right hand on your chest, mettez votre main droite sur votre poitrine and lift the other one up. Et levez la main gauche. I'm going to pray for you now. Je vais prier pour vous maintenant. The Lord bless you. Que l'Éternel put vous your right bénisse. Hand on your chest, mettez votre main droite and sur lift la poitrine the other one up, et levez la main gauche. And you say this short and powerful prayer et répétez me. Cette courte prière avec moi. Say, Father, dis Père. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. I come before you this morning. Je viens devant toi ce matin. Just as I am. Comme je suis. A sinner. Un pécheur. I acknowledge Jesus died for me. Je reconnais que Jésus est mort pour moi. Jesus shed his blood for me. Qu'il a versé son sang pour moi. And Jesus resurrected for me. Et Jésus est ressuscité pour moi. Jesus Christ. Jésus-Christ. By your blood. Par ton sang. Cleanse me from all my sins. Lave-moi de tous mes péchés. Make me whole today. Guéris-moi aujourd'hui. Thank you, Jesus Christ. Merci Jésus-Christ. For accepting me. De m'accepter. For coming into my life. D'être entré dans ma vie. From today. À partir d'aujourd'hui. I am born again. Je suis né de nouveau. I am saved. Je suis sauvé. I am delivered. Je suis délivré. Satan. Satan. Lose your hold. Lâche prise. Over my life. Dans ma vie. Thank you, Jesus. Merci Jésus. For setting me free. De me sauver. In Jesus' name. Au nom de Jésus. And amen. Amen. Congratulations. Félicitations. Say this prayer with me. Leave your seat. Si vous avez fait cette prière, come to the altar. Venez vers l'autel. I want to pray with you. Je vais prier pour the Lord vous. Bless you. Que l'Éternel Everything vous bénisse. You brought to church. Venez avec vos affaires, prenez come vos affaires altar, avec vous. Move to the altar. Venez vers l'autel. The Lord bless you. Que l'Éternel vous bénisse. Another prayer with you. Je vais faire une autre prière. Church, keep celebrating Jesus. Continuez à célébrer as they Jésus are coming out, pendant qu'ils viennent. Church, celebrate Jesus. Célébrez Jésus as they are coming out, pendant qu'ils viennent. As they are coming out. Pendant qu'ils viennent. Thank you, Jesus. Merci Jésus. 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 These ones are free. Jésus, je suis libre. From the hold of the wicked ones. De l'emprise des méchants. These ones are delivered today. Jésus, je crois qu'aujourd'hui. The peace of God. La paix de Dieu that all understanding qui surpasse toute intelligence is upon these ones. Des propos Thank sur you, eux. Jesus Christ. Merci Jésus. Thank you, Jesus Merci Christ. Jésus. In Jesus precious name. Au nom précieux de Jésus. Also to come out. Aussi, ceux qui doivent sortir, Today is your first Sunday with us. C'est votre premier dimanche avec also nous. Come out. Venez devant, The s'il Lord vous plaît. Bless you. Que Carry Dieu vous bénisse. Your Bible, your bag, Prenez vos affaires et venez également. Today is your first Sunday. C'est votre premier dimanche avec also nous. Come out. Venez devant. Beloved, congratulations. Bien-aimés, félicitations. The Lord bless you. Que Dieu vous bénisse. This step you took, Ce pas que vous avez posé, We took it. Nous l'avons posé. And our life never remained the Et same nos vies again. Ne sont pas restées les mêmes. What do you do?
Que devez-vous faire? Keep coming to church. Continuez à venir à l'église. Keep hearing the word. Continuez à écouter la parole. And keep following our prayers. Et suivez nos prières. 2 months is too much. 2 mois c'est trop. For the glory of God to be revealed in your life. Pour que la gloire de Dieu soit révélée dans votre vie. I don't know if you were here when the testimony was shared. Je ne sais pas si vous étiez là quand le témoignage a été partagé. Il a dit depuis 10 ans. Il était au même niveau. Il est venu ici il y a un an. Et il a eu sa promotion. Quelle est la différence? Parce que la parole que vous recevez, vous devenez cette parole. Are you with me? Est-ce que vous suivez? It is the word you receive that make your life. C'est la parole que vous recevez qui transforme votre vie. So you can't be receiving the word of life here. Vous ne pouvez pas recevoir la parole de the vie word ici. Of dominion here. La parole de domination and ici. And your life will not be restored. Sans que votre vie ne and soit restaurée. Dominion will not be restored. Soit que votre domination ne soit bow établie. Your head down as I pray for you. Baissez la tête pendant que je prie Father, pour vous. Father, in the name of Père, Jesus Christ. De Jésus, thank you for your sons and your daughters. Merci pour tes fils et tes whom filles. Whom you have pulled out of the pit of hell. Que tu as sorti de l'enfer. Father, establish them in faith. Père, établis-les dans la foi. Establish their dominion. Établis leur domination. Let the grace in this house. Que la grâce dans cette maison. Begin to answer for them. Commence à répondre pour eux. In the name of Jesus the Au Christ. Au nom de Jésus le Christ. Satan concerning these ones. Satan, ce qui les concerne. Whatever covenant they had with you before. Peu importe l'alliance qu'ils avaient avec toi avant. Give it to me. Par l'autorité qui m'est donnée, that covenant is broken now. Cette alliance est brisée maintenant. Satan, I command you. Satan, je t'ordonne. Lose your hold. De lâcher prise. Over their life. Dans leur vie. Lose your hold. Lâche prise. Over their destiny. Dans leur destinée. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. And amen. Amen. Congratulations. Félicitations. You are blessed. Vous êtes bénis. Follow the kingdom friends. Suivez les amis du royaume sur votre gauche. Qui vont Hallelujah. Vous donner certaines informations. Beloved, celebrate them. And they go. Celebrate Jesus. Célébrez Jésus pendant qu'il part. Hallelujah. Amen. Remember. Souvenez-vous. We are in the 11th hour. Nous sommes à la 11e heure. The God of 11th hour. Le Dieu de la 11e heure. Will be favoring you on every side. Va vous accorder la faveur de tous côtés. Opening doors for you on every side. Il va ouvrir les portes pour vous de tous côtés. Beloved, hear me. Bien-aimé, écoutez-moi. This month we answer for you. Ce mois répondra pour vous. This month, ce mois, heaven will wipe away your tears. Le ciel essuiera vos larmes. This month, ce mois, your labor without result. Votre travail sans résultat shall be rewarded this month. Sera récompensé ce mois. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus le Christ. This is the word of the Lord concerning you. That is the word of the Lord concerning you. C'est la parole de l'Éternel vous concernant. And no forces can reverse it. Et aucune force ne pourra changer cela. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Now we started a prayer today. Nous avons commencé une prière aujourd'hui. We are going to do the prayer again. Nous allons prier encore. For 5 years. Pendant 5 ans, depuis 5 ans. We are paying for one land. Nous payons pour un terrain. 5 years. 5 ans. 3 pastors are paid. 3 pasteurs ont payé. And I came. Et je suis arrivé. They still want me to start paying again. Et ils veulent que je paye encore. For the same one land. Pour le même terrain. On Thursday. Et jeudi. If you notice, you talk about I came to church late. Je suis arrivé en retard. I was in the office. J'étais au bureau. When I was told. Quand on m'a dit. They want to dubiously. And they are showing you the land. They want to dubiously. Qui sont allés. Collect our money in the bank. Saisir nos comptes. By a fraudulent paper. D'une façon frauduleuse. I ran to the bank, me with CB. Je suis allé à la banque avec le CB. Now, God is about to judge. Maintenant, Dieu est sur le point de juger. The Bible says, "He that digs a pit." La Bible dit celui qui creuse une fosse fall into it. Tombera lui-même. He said, listen, put it in this, to subvert a man of his course. Pour survivre un homme, à un homme. God approve not. Dieu n'approuve pas. Lamentation chapter 3 verse 23. Lamentation.
Chapter 3, verse 23. 3:23. C'est au survive a man of his curse. Pour qu'un homme survive de sa malédiction. 36. Whichever one. To survive a man of his curse. 36, God bless you. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Donc quiconque fait du tort à la chapelle des vainqueurs Libreville, de son terrain qu'il a payé, l'Éternel ne l'approuve pas. Whether the person is here, que la personne soit là or is outside here, ou dehors, is an enemy of the church. C'est l'ennemi de l'église. And the enemy of the church, et l'ennemi de l'église, is enemy of God. Est l'ennemi de Dieu. I have told them, je leur ai dit, I don't have money to give anybody again. Je n'ai plus d'argent à donner à qui que ce soit. I only have fire to release. J'ai seulement le feu à libérer. If they go to bank, s'ils vont à la banque, by any fraudulent paper, avec un document frauduleux, to take our money, pour prendre notre argent, the person that approved the fraudulent paper, la personne qui a approuvé ce document, as long as it's not a genuine judgment, aussi longtemps que ce n'est pas un document réel, as long as it's not a fair judgment, aussi longtemps que ce n'est pas un bon jugement, wickedness will never leave their life. La méchanceté ne quittera jamais leur maison. They will never be free from wickedness. Ils ne seront jamais libérés de la méchanceté. And hear the prayer God said we should pray today. Écoutez la prière d'aujourd'hui. I can't be reading it again because of time. Je ne vais plus lire à cause du temps. Psalm 35. Psaume 35. Everything is written there. Tout y est écrit. The first prayer we are taking against them now. La première prière. Father. Père. As many. Aussi nombreux that are against this church, qui sont contre cette église, as long as this issue of Malibé is concerned, tous ceux qui sont contre l'église dans l'histoire de Malibé, clothe them with shame, revêlez de honte, clothe them with shame, revêlez de honte, in the name of Jesus, au nom de Jésus, lift your voice to heaven, élevez vos voix et priez, clothe them with shame, revêlez de honte, clothe them with shame, revêlez de honte, clothe them with shame, revêlez de honte. He said, let them be confounded and put to shame. Qu'ils soient honteux et confus, Father, ceux qui enveillent à ma vie, that are against Winner Chapel. Père, concernant la chapelle des vainqueurs, tout cela, Father, Père, in the name of Jesus, au nom de Jésus, clothe them with shame. Je les revais de honte. Clothe them with shame. Je les revais de honte. Clothe them with shame. Je les revais de honte. Clothe them with shame. Je les revais de honte. Clothe them with shame. Je les revais de honte. Clothe them with shame. Je les revais de honte. Clothe them with shame. Je les revais de honte. Clothe them with shame. Je les revais de honte. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. The second prayer now. La deuxième prière. Father. Père. Let your angel persecute them. Que tes anges les persécutent. Until destruction take them unaware. Jusqu'à ce que la destruction les surprenne. Lift your voice to heaven. Élevez vos voix. Abba Father. Abba Père. As many. Tous ceux. Guess we not qui sont concernés. On our land. Par cette histoire. Father. Qui bloque l'accès à nos terrains. Père, que tes anges les persécutent jusqu'à ce que la destruction les surprenne. Que tes anges les persécutent. Que tes anges les persécutent. Que tes anges les persécutent jusqu'à ce que la destruction les surprenne. Au nom de Jésus, que tes anges les poursuivent. Que tes anges les pourchassent jusqu'à ce que la destruction les surprenne. Que tes anges les persécutent. Que tes anges les persécutent jusqu'à ce que la destruction les surprenne. Père, au nom de Jésus, que tes anges les persécutent jusqu'à ce que la destruction les surprenne. Que tes anges les persécutent jusqu'à ce que la destruction les surprenne. Que tes anges les persécutent jusqu'à ce que la destruction les surprenne. Que tes anges les persécutent jusqu'à ce que la destruction les surprenne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. The God of
Le Dieu de la chapelle des vainqueurs. The God of Oyedepo. Le Dieu d'Oyedepo. Concerning Malibé land. En ce qui concerne Malibé. Arise. Lève-toi. Defend your name. Et défends ton nom. Arise. Lève-toi. Defend your name. 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 Défends ton nom. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. And God asked me to tell you, et Dieu me demande de vous dire, as we pray for the church, comme vous avez prié pour l'église, the same way it will happen to every enemy against your glory. De la même façon, cela arrivera à tous les ennemis de votre gloire. He said, as many that pray this prayer from their heart, tous ceux qui ont fait cette prière de leur cœur, so will I fight their battle for them. Je combattrai leur bataille pour eux. In the name of Jesus the Christ. Au nom de Jésus le Christ. In first service, au premier service, God said, Dieu a dit, whoever is behind this issue, quiconque est derrière ce problème, they have only one solution. Ils ont une solution. They will come and meet the pastor, ils viennent voir le pasteur and say, this is the role I play. Et ils vont dire, voici le rôle que j'ai joué. This is the amount I took fraudulently. Voici le montant que j'ai pris de façon frauduleuse. Then he will return it. Et il rend cet argent. Or he will say, this is how I'm going to return it. Ou bien il dit, voilà comment je vais rembourser. He said, when that one is done, et quand c'est fait, he said, only me cannot reverse the prayer. Moi seul, je ne peux pas renverser la prière. The whole church will pray the prayer of reversal again. Toute l'église fera la prière pour le changement. Outside that, mais en dehors de ça, the prayer is irreversible. La prière est irréversible. Outside that, en dehors de ça, the prayer is irreversible. La prière est irréversible. And we start the prayer now, et nous commençons la prière maintenant. We continue the prayer till December. Et nous allons prier jusqu'en décembre. Covenant hour prayer, evening service, Sunday service till December. Heure d'alliance de la prière, service de mi-semaine, service de dimanche, jusqu'en décembre. The God of Winner Chapel, le Dieu de la chapelle des vainqueurs, is about to do something, est sur le point de faire quelque chose. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Over your life and your household, en ce qui concerne votre vie et votre maison, over the blessings of God upon your life, sur la bénédiction de Dieu dans votre vie, over this church and entire members, sur cette église et tous ses membres. Congratulations. Félicitations. Ah, sir, they said they are smart. Ils disent qu'ils sont intelligents. That they know the law, they know how to manipulate the law of the land. Qu'ils savent comment manipuler la loi. Can they manipulate God? Est-ce qu'ils peuvent manipuler Dieu? You know when Herod, vous savez quand Hérode took James, a pris Jacques and he killed James, et il l'a tué because the church were quiet, parce que l'église s'est tue. When he now took Peter, quand il a pris Pierre, ah, the church said no way, l'église a dit rien à faire. The angel stepped in, et l'ange est arrivé. Pastor Eze, le pasteur Eze, the church was, il a, l'église a pastor fermé Moses, la bouche. Le pasteur Moïse, the church was, l'église a fermé la bouche. Pastor Benga, le pasteur Benga, the church was, l'église a fermé la bouche. For Pastor Benedict, mais le pasteur Benedict, no way, l'église dit jamais. We will cry to God. On va se lever. Well, God has spoken. Dieu a parlé. Because the destruction that is coming, parce que la destruction qui arrive, is going to be after the order of Judas Iscariot destruction. Ce sera selon l'ordre de Judas Iscariot. Not just the person, his entire family. Pas seulement lui, mais toute sa famille. My wife said, ah, it's too much. I said, are you ma femme a dit c'est trop. When I told her, quand je lui ai dit, he said, ah, that kind of destruction is too much. I said, but are you the Holy Ghost? J'ai dit quand, si je lui ai parlé, m'a dit cette destruction est trop. Je lui ai dit, est-ce que tu es le Saint Esprit? This matter, there is no emotion in it. Dans cette histoire là, il y a pas de. It's how the Holy Ghost wants to defend his church. C'est le Saint Esprit qui va défendre son église. No emotion in it. Pas d'émotion. There is no emotion in it. Il n'y a pas d'émotion dedans. Are you the Holy Ghost? Est-ce que tu es le Saint-Esprit? Si la personne ne se répond pas, il ne ramène pas notre argent qu'il a pris.
His family is going to be like Judas Iscariot's family. Sa famille sera comme la famille de Judas Iscariot. It's going to be like Achan's family. Sera comme la famille, d'accord. And if you check these two people, they love money. Et si vous voyez ces gens, ils ont pris l'argent. Achan love money. Ils aimaient l'argent. At the expense of the whole army of Israel. Contre, au désavantage de toute l'armée d'Israël. Judas Iscariot loved money. Judas Iscariot aimait l'argent. At the expense of the whole disciples and Jesus. Au détriment de tous les disciples. And these people love money. Et ces gens veulent l'argent. At the expense of the whole Libreville church. Au détriment de toute l'église de Libreville. At the expense of Winner Chapel Gabon. Au détriment de la chapelle de vainqueurs Gabon. Because the headquarters determine the part of the bodies. Parce que le quartier général, les autres font partie du quartier général. The wickedness is not just only against Libreville. La méchanceté, ce n'est pas seulement sur Libreville. Because Libreville is a national church. Parce que Libreville est une église nationale. The wickedness is against Winner Chapel Gabon. Donc la méchanceté est contre la chapelle des vainqueurs du And Gabon. You said the person is a part of us? Et vous dites que la personne fait partie de nous? It's an enemy. Non, c'est un ennemi. It's a Judas. C'est un Judas. It's an Achan. C'est un Achan. Akab. You are blessed. Vous êtes béni. 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 This week we answer for you. Cette semaine répondra pour vous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Remember? Souvenez-vous. Covenant of prayer run from Monday to Saturday. L'heure d'alliance de la prière c'est de lundi à vendredi. 6 hours to 7 hours. De 6h à 7h. Saturday 6 hours to 8 hours. Et samedi de 7h à 8h. Then on Sunday. Et dimanche. We have our 3 services. Nous avons 3 services. Jesus the great physician. Jésus le grand physicien. Is in our midst. Sera au milieu de nous. And the third service. On our Pre-Shiloh encounter. Et ce sera le troisième service de rencontre Pre-Shiloh. Wednesday we fast. Mercredi nous jeûnons. We come here by 17 hours to 19 et nous viendrons à 17h pour rompre le jeûne. To break with the Holy Communion. Pour rompre le jeûne. The Lord bless you. Que l'Éternel vous bénisse. The blessing of God rest upon your home. La grâce de Dieu repose sur votre maison. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. You are blessed. Vous êtes béni. Surely. Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagneront. Tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Gloire à Dieu, je suis enfin sur les voies d'alliance de la vie. Congratulations. Félicitations. You are blessed. Vous êtes bénis.